Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Allez, on continue avec Ileos. C'est la nouvelle société qui a été créée par la MEL et aussi Storengy qui concevra, construira, exploitera des ouvrages de production d'hydrogène renouvelable ainsi que des stations de rechargement de véhicules en hydrogène et ça dans la région de Lille Métropole. Alors l'idée c'est de faire en sorte qu'à l'avenir les bus et les camions bennes à déchets ménagers roulent dans ce secteur à l'hydrogène. Il s'inscrit donc pleinement, nous dit lillemétropole.fr, dans l'ambition du plan climat air et énergie territorial métropolitain qui a été adopté en février 2021. Et on apprend aussi qu'une convention sera prochainement signée entre Ileos et l'ADEME. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, hein, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie.